gras ou les gens, vous allez bien, c'est les gauchis et les gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga du mois de mai. Oh là, du mois de mai 2022, j'ai eu un doute d'un coup. Et du coup, bah, c'est parti, comme d'habitude, on va commencer par les suites, puis les nouveautés du mois, les achats tardifs et les occasions. Voilà. Et occasion et un craquage de ouf. Enfin, je vais rusher parce qu'il y en a beaucoup, du coup, on va dépêcher. Allez, c'est parti pour les suites. Et donc, pour les suites ou séries en cours, hein, on commençait Akata avec le tome 3 de Sasaki et Miyano. Une série que j'aime beaucoup. Et le tome 3 est vraiment bien, tout aussi adorable que les deux premiers. Ah, j'ai dit que je vais rusher, hein, j'en ai 4000. Ensuite, on passe à Panini avec le 22e et avant-dernier tome de Demon Slayer. La fin se fait bien ressentir dans ce tome. Vraiment, ça se sent que c'est l'arc final, que c'est la fin, c'est le combat final. Il manque plus qu'un tome et j'ai vraiment hâte de le lire. Et ce tome était vraiment excellent. Vraiment, il y a tout qui est bien dedans. Et on continue avec Chato Chato. Avec le très bon deuxième tome de End Roll Back, c'est ça. Qui est parti tout petit là. Donc End Roll Back, c'est une série qui est finie en 3 tomes, donc c'est l'avant-dernier tome. Et c'est vraiment très bien. Voilà, je vous conseille, c'est un thriller fantastique, un peu science-fiction également, et c'est vraiment très bien. Voilà, je vous conseille vraiment End Roll Back chez Chato Chato si vous arrivez à le trouver, parce que ça barre comme des petits pains. Je sais pas pourquoi, d'un coup il y a une hype autour, mais le tome 1 était très vite en rupture, et le 2 apparemment est en rupture sur certains sites également. Donc j'espère que vous arriverez à les trouver. On passe ensuite chez Kana avec le tome 9 de Shai. Magnifique couverture, vraiment, c'est la plus belle couverture depuis le début de la série. Très bon tome, voilà. C'est parfois un peu confus au niveau des combats, c'est peut-être le seul reproche que je peux faire à Shai. Mais à part ça, c'est très bien. Voilà, j'adore l'histoire, j'adore les personnages. Comme je dis, les combats sont un peu confus, mais c'est vraiment peut-être le seul défaut que je peux donner au manga, parce que sinon c'est très très bien. Ensuite, le tome 5 de Undead Unluck. C'est marrant, ça fait deux tomes qui a des twists incroyables. Vraiment, le twist de ce tome est vraiment génial. Tout est bien. Undead Unluck, c'est vraiment une super série, je vous conseille vraiment Undead Unluck. Chez Kana toujours, c'est une incroyable. Voilà. Et on finit chez Kana avec le tome 14 de Shaman King. Alors pareil, bon, la jaquette déjà, elle est vraiment trop mignonne. Alors, en magasin, vous aurez cette jaquette-là. Comme d'habitude, j'ai changé la jaquette, hein, parce que je trouvais la jaquette interactive plus jolie. En magasin, c'est, on voit bien, ouais, la magasin, c'est celle-ci. Voilà. Mais moi j'ai mis l'alternative parce que je la trouve vraiment trop mignonne. Voilà, donc c'est le tome 14 de la Star Edition de Shaman King. On approche des derniers qui nous manquent en vrai, parce que là il y avait le 17e qui était sorti, le 17e et le dernier tome. Et là c'est le 14, il ne manque plus que deux pour être à jour dans la Star Edition et que je puisse enfin les lire en entier et enchaîner sur Flower et The Superstar. Et c'est très bien, Shaman King c'est la vie, lisez Shaman King. Voilà, on passe ensuite chez Mangetsu avec le tome 3 de l'excellent Butterfly Beast 2. C'est la saison 2 de Butterfly Beast qui finit en 5 tomes. Voilà, donc là c'est le 3ème, il manque 2. C'est vraiment une super série. Voilà, si vous avez aimé Lady Snowblood, voilà, c'est un peu ma référence avec Butterfly Beast. Si vous avez aimé Lady Snowblood ou si vous êtes en général fan de tout ce qui est samouraï, assassin, ninja, franchement, Butterfly Beast c'est une super série. Donc la première série est finie en 3 tomes, je crois. Je mettrai juste en dessous, je sais plus. Donc Butterfly Beast saison 1 est finie en ce nombre de tomes. Et la saison 2 finira en 5, donc c'est pas une série très longue. On passe ensuite chez Nobinobi avec le tome 4 de Olimiya. Tome que j'ai vraiment adoré. Voilà, j'adore cette série, c'est super drôle. J'adore. Clairement, c'est. Je pensais que je préférais Sasaki Miyano à Olimiya. Bah, c'est pas le cas, je préfère Olimiya à Sasaki Miyano. Je saurais même pas vous dire exactement pourquoi. Peut-être parce que c'est plus drôle, c'est. Je sais pas, il y a un truc qui fait qu'Olimiya, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je vous conseille vraiment Olimiya. Et j'ai pas eu le badge qui était avec le 4ème tome parce que j'ai pas les librairies dans le coin et. Et je suis niqué. On reste chez Nobinobi avec le tome 13 de Iluma à l'école des démons. Toujours une super série. J'adore Iluma à l'école des démons, c'est super drôle. Vraiment, je vous conseille énormément cette série. C'est vraiment une série qu'on n'en parle vraiment pas assez, alors qu'elle est vraiment incroyable. C'est super drôle. Chaque tome, c'est un fou rire garanti. On passe ensuite chez Pika avec le tome 7 de Toilette Bond à la Cocoon. Encore un tome incroyable. Voilà, moi c'est une de mes séries préférées actuelles. J'ai arrêté de dire à part que c'est une super série. Voilà, lisez Toilette Bond, lisez-le. Lui. Je tombe cette vidéo à 23h passées, je suis fatigué, d'accord. Donc voilà, donc Toilette Bond à la Cocoon, c'est vraiment une super série, je vous conseille vraiment. Le tome est très beau en plus. J'aime beaucoup les couleurs qu'il y a dessus. Enfin, c'est vraiment une très très bonne pêche. Ensuite, toujours chez Pika, le tome 2 de The King of Fighters, A New Beginning.
Manga qui adapte du coup le scénario du 14e jeu. Donc le scénario du 14e épisode canonique, donc King of Fighters 14, c'est vraiment un super manga, vraiment. Faut s'accrocher au niveau des personnages, il y a 4000, hein, clairement, parce que le King of Fighters, à chaque fois, le roster est très fourni. Et clairement, le 14, il était très très fourni, et du coup, il y a énormément de personnages. Les combats sont vraiment cool. Voilà, pour moi, c'est la référence du jeu de baston, en vrai, donc c'est clairement un manga incroyable. Voilà, lisez King of Fighters, c'est très très bien. Toujours Shippika. Card Captor Sakura, Clear Card Arc, je sors un tome quand je veux, c'est super long, et entre chaque tome, t'oublies tout le scénario. Ce sont nos complets. Ah, c'est super dur à suivre. En vrai, je pense que pour le prochain tome, je vais me faire une relecture des 11 premiers. Parce qu'à chaque fois, c'est super long entre chaque tome. Et j'oublie tout. Clairement, je sais pas pourquoi ce manga-là, j'ai du mal à retenir tout le scénario. Et clairement, il y a un truc qui fait que je sais pas. Ah, en plus, c'est moins bien que la série de base, on va pas se le cacher. C'est bien, mais c'est moins bien que la série de base. Et le scénario, j'ai l'impression qu'il est vraiment... Oh, déjà, la première série, le scénario était un peu compliqué, mais ça passe. Celui-là, j'ai vraiment l'impression que c'est compliqué pour rien. Clairement, je sais pas, je suis moins fan. J'aime bien, mais je suis moins fan. Et pour finir, Shippika, l'incroyable tome 12 de Spirit Seeker, série qu'on parle vraiment pas assez. Un animé prévu cette année, si ça peut permettre de lui donner un boost de popularité, parce qu'il le mérite vraiment. Pour un coup, je dis ça. Enfin, c'est rare que je dis qu'un animé est important pour un manga. Il faut vraiment que la popularité est boostée pour ce manga, parce que clairement... Il mérite tellement mieux en visibilité. C'est incroyable. Il est incroyable. Ce tome est incroyable. Toute cette série est incroyable. Lisez Spirit Seeker. Mangez Spirit Seeker. Je fais ce que vous voulez avec Spirit Seeker. Peut-être pas. Mais clairement. La jaquette est incroyable. Ouais, cette série, c'est un méga coup de cœur. Clairement, pour moi, c'est la série la plus sous-cotée actuellement. Je vais pas dire ça autrement. C'est, pour moi, il faut lire Spirit Seeker. C'est vraiment incroyable. Ensuite, on part chez Kiyun avec La Danse du Soleil et de la Lune, tome 2. Donc, manga de l'autrice de Kasane, la voleuse de visage, que j'ai adoré. Et ce manga est vraiment incroyable également. Le tome 2 est encore meilleur que le premier. On sait pas combien de temps ça va finir, mais Kasane n'était pas excessivement long. Donc, je sais pas si ça va être long, mais je pense pas en vrai. C'est très bien. Franchement, lisez-le, c'est incroyable, que ce soit esthétiquement ou scénaristiquement. C'est une tuerie sur tous les plans. Dernier manga de chez Kiyun, Frieren, tome 3. Une série que j'aime beaucoup également, c'est vraiment, c'est triste, c'est beau, j'adore Frieren, clairement c'est un de mes mangas coup de cœur de début d'année. Lisez Frieren, c'est vraiment très très bien, c'est excellent, je vous conseille énormément Frieren, pour moi c'est une tuerie, clairement. Ensuite on passe chez Glénat avec le tome 9 de Mao. Alors Mao, j'aime beaucoup, mais il se passe pas grand chose. Scénaristiquement ça avance, j'avais déjà dit avec le tome 8 dans mes derniers... Le mois d'achat où il était sorti. Ça prend son time, hein. Franchement, ça avance pas. J'espère que ça va pas être trop long en vrai, parce que j'aime beaucoup hein, en soi. Mais j'espère que ça va pas être trop long, parce que clairement, ça prend un peu trop son temps à mon goût. Bon, ce tome là, il y a un peu plus de choses qui se passent, mais c'est pas encore ça quoi. Voilà, donc j'aime beaucoup cette série, mais j'espère que ça va pas être trop long, parce que vraiment, ça prend un peu trop son temps à mon goût. Ensuite, le coffret collector du tome 18 de Tokyo Revenger. Donc, dans ce coffret, il y avait le tome 18, jusque-là, vous suivez. Attends, hop, qui ressemble à ça. C'est incroyable. Clairement, ce tome est génial. Il est... En mise en scène, c'est une tuerie. Il y a un combat qui démarre dans ce tome, et vraiment, j'ai hâte de voir la suite. Il y avait également le character book que je n'ai pas encore lu, j'ai juste eu le temps de jeter un petit coup d'œil. C'est une avant-première, il sort officiellement en juillet, si je dis pas de bêtises. Et ceux qui avaient pris du coup le collector avaient la chance de l'avoir en avance. Et il y avait également deux marque-pages aléatoires parmi 10, si je dis pas de bêtises. Et j'ai eu la chance d'avoir Mikey, voilà, je suis trop content. Et Shifuyu, que j'adore également. Bah donc mes marque-pages me montrent très bien. Voilà. clairement, ils sont vraiment magnifiques. Voilà, Mikey, Shifuyu, je suis très content de ce duo. Et du coup, voilà, donc le tome collector était vraiment très bien. Enfin, le collector est vraiment très sympa, je trouve. En plus, d'avoir une avant-première, ce qui est appréciable en vrai. Du coup, si vous n'avez pas eu la chance de l'avoir, c'est pas grave, c'était juste des marque-pages, c'est pas la mort. Et le character book va sortir tout seul de toute manière. Donc voilà, donc c'est le tome collector de Tokyo Revenger, tome 18. On passe chez les meilleurs NoF Graphics, que je garde toujours pour la fin. avec l'incroyable tome 4 de Welcome to the Ballroom, qui est clairement le meilleur manga de sport sur le marché, pour moi. Il n'y a pas tortillé. Hein. Esthétiquement, c'est magnifique, c'est un chef-d'œuvre.
Scénaristiquement, pareil, c'est vraiment incroyable. Les personnages sont cool, le scénario est cool. Les dessins sont d'une beauté sans nom. Les jaquettes sont d'une beauté sans nom. Voilà, Welcome to the Ballroom, c'est une tuerie. Voilà, ça fait 4 fois que je le dis dans la même vidéo. Mais clairement, c'est incroyable. Voilà, Welcome to the Ballroom, c'est un manga absolument génial. Et enfin, pour finir avec les séries en cours, le tome 4 de Arrête de me chauffer Nagatolo en édition Deluxe. Alors dans l'édition Deluxe, il y avait une jaquette alternative, voilà, qui n'est pas exactement la même que la standard, une carte exclusive que je ne vous montrerai pas, parce que les cartes, je les range à chaque fois et j'oublie de les prendre. Voilà, trop de problème. vous aurez la surprise si vous les achetez. Et cet ex-libris, si je peux l'utiliser, voilà ça. Cet ex-libris sur un papier vraiment très qualitatif. Voilà. Si vous voulez aller voir exactement le contenu d'un collector, j'ai fait un TikTok dessus. Voilà, si vous voulez aller voir, je mettrai mon TikTok à la fin de la vidéo pour que vous puissiez aller jeter un oeil. Et le tome est vraiment bien. Le tome est incroyable. Bah, moi, j'aime bien Adam Shoes Negatolo. Son côté shippy me plaît beaucoup. Moi, j'aime beaucoup cette série. Franchement, j'aime beaucoup cette série. Et c'est toujours chez Neographics qui sont les meilleurs, je le redis encore une fois. et du coup, c'est fini pour les séries en cours. Et on va donc passer aux nouveautés du mois. C'est parti. Première nouveauté du mois, le roman numéro 4, 3 ou 46, je ne sais plus, de Demon Slayer. Ah oui, j'ai pris la collector parce que, collector, c'est un coffret à la con avec les deux tomes dedans. Du coup, je les ai pris à part. J'ai tellement pas hâte de le lire, tellement les romans d'avant m'ont déplu. Vous vous demandez du coup pourquoi je l'ai acheté? Parce que... non, parce que je me dis... À chaque fois, je me dis, peut-être que celui-là va être bien. Après, c'est pour la collection aussi, parce que j'adore Demon Slayer, et j'ai envie quand même de lire ce que ça donne, même si c'est pas top. Au moins, je peux me faire mon propre avis. Vous voyez ce que je veux dire? Avec un peu de chance, il est bien. Avec un peu de chance, il est au moins mieux que les autres. Mais clairement, les romans Demon Slayer, pour moi, c'est... Ouais. Et quand je vois que c'est la scénariste là, enfin, la romancière là, qui va faire les romans Spy Family... On veut dire que j'ai peur. Donc voilà, donc c'est le roman de Demon Slayer qui s'appelle Le Guide du Vent. Voilà. Ensuite, on passe. J'ai même pas dit si j'ai pas nié, vous en doutez, c'est Demon Slayer. Ensuite, on passe chez Akata avec Le Petit Monde de Mashida, tome 1. Shoujo Feel Good. Franchement, je lis très peu de Shoujo, mais c'en est un. Et je trouve que ça fait vraiment du bien comme lecture. Vraiment, il fait vraiment du bien. Pour le coup, le Feel Good est très adapté. C'est très très bien. Voilà, franchement, si vous avez besoin d'une lecture qui fait du bien, Le Petit Monde de Mashida, totalement approuvé. Voilà, c'est une super série et c'est fini en 7 tomes. Voilà, donc c'est pas une série très longue en plus. Ensuite, autre nouveauté chez Kurokawa. Alors, nouveauté un peu particulière parce que ce n'est pas vraiment une, c'est plus une réédition qu'une nouveauté. Il s'agit des 3 premiers tomes de Satan 666. Réédition avec de nouvelles tranches, des jaquettes légèrement retravaillées, je crois que le dos est travaillé, retravaillé également. Et surtout, point très appréciable, les 3 premiers tomes sont au prix de 3€ chacun. Voilà, donc c'est vraiment pas cher. Les autres tomes sortiront deux par deux, une fois par mois, et au prix standard, donc 6 passés, je crois, c'est pas de bêtises. Et du coup, voilà, donc les 3 premiers tomes à 3€, c'est très appréciable, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça fait un moment que je voulais les prendre. Je me suis tâté plein de fois à les prendre d'occasion. Et cette réédition tombe à pic du coup. Cette réédition, je vais y arriver. cette réédition tombe vraiment à pic. Et c'est vraiment très bien. Je vous conseille vraiment Satan 666. Par contre, mettre ce hashtag sur Instagram, c'est chelou. voilà. Ensuite, on passe chez Kana avec les 2 premiers tomes de The Elusive Samurai plutôt. Donc, c'est l'auteur de Neuro le Mange Mystère. Oui, je ne dirais pas Assassin's Classroom parce que ça ressemble beaucoup plus à Neuro le Mange Mystère qu'à Assassin's Classroom qui est un titre imprononçable. Déjà, au passage. c'est une excellente série. J'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. Il y a vraiment une vibe Neuro le Mange Mystère et ça me plaît beaucoup. Vraiment, ça me plaît énormément. Je vous conseille vraiment cette série. C'est dommage que la collector avec les 2 premiers tomes et des goodies a été annulée par Kana pour des problèmes de. Même plus pourquoi. Donc on aura les goodies avec le tome 4 si je dis pas de bêtises, mais ça fait chier. Clairement ça fait chier. Du coup voilà, donc c'est les 2 premiers tomes qui sont sortis en même temps et c'est très très bien, je vous le conseille énormément. Ensuite le tome 1 de Violence Action chez Pika. Alors je l'ai acheté vraiment sur le tard, je l'ai acheté, l'assistant l'a acheté. Et du coup, je l'ai lu et pas lui. du coup, c'est une super série. Vraiment, ça m'a fait beaucoup rire en même temps. C'est assez flippant, on va dire, son caractère à double tranchant. Enfin,
j'aime bien. Voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Les dessins sont sublimes, clairement. Les dessins sont magnifiques. Je vous conseille vraiment Violence Action, ça, Violence Action, chez Pika. C'est vraiment une super série. Ensuite, le manga que l'assistant a le plus ce mois-ci, qui est Coq de Baston, chez Mangetsu. Donc, premier tome de Coq de Baston, ou Gros Star Fighter. C'est très bien. Voilà, c'est vraiment très drôle. En gros, c'est One Punch Man avec un coq. Voilà, c'est, je peux pas vous dire autrement. Donc, en gros, il y a des kijoux, c'est des kaijoux, mais c'est des kijoux, qui attaquent la ville, et c'est un coq qui va le combattre et qui les tue en un coup. Voilà. Ça ressemble à ça, c'est chelou, mais c'est très bien. Voilà, c'est bien résumé, c'est chelou, mais c'est très bien. Voilà, je vous conseille vraiment Coq de Baston, chez Mangetsu. Ensuite, un manga que j'attendais énormément, c'est Ningyo. Donc c'est chez Glénat et c'est par Monsieur Tan et Mato qu'ils avaient déjà fait cette collaboration franco-japonaise sur Jizo. Mustan est aussi connu sur Instagram sous le nom de Antoine Doll ou Dolé, je sais jamais, je suis désolé. Et du coup Ningyo c'est très bien, je vous conseille énormément. Si vous aimez aimer Jizo, lisez Ningyo. Si vous lisez Ningyo et que vous aimez, lisez Jizo. Voilà, clairement. Donc ça marche dans les deux sens. Ningyo c'est incroyable, je vous conseille énormément. C'est chez Glénat et c'est un one shot. Alors pareil, nouveauté, sans être une nouveauté, Neon Genesis Evangelion en édition perfecte chez Glénat. Alors, édition incroyable, voilà, ils sont vraiment incroyables, magnifiques, enfin, manga culte, enfin, c'est vraiment une édition vraiment incroyable. Mais, il y a un ex-libris offert avec chaque tome, l'ex-libris est ici, là. De 1, le tome n'est pas emballé, donc c'est open bar en librairie, hein, clairement, si le mec veut voler l'ex-libris, il peut le voler sans problème, c'est un gros problème pour moi. Et ensuite, c'était collé, alors je sais pas si on le verra bien à la caméra, non, ça se verra pas. Mais en gros, c'était collé au tome. Ah si, un petit peu là, on voit, il y a une trace de colle juste ici. Et ça, c'est également une petite trace de colle dans le tome. C'est dommage, mais l'édition est très bien, c'est juste ce petit couac qui fait que ça fait un peu, voilà, un peu tâche dans cette édition merveilleuse et incroyable. Clairement, j'aurais préféré que le tome soit emballé avec l'ex-libris à l'intérieur. Ça aurait évité du vol, du coup. Parce que vraiment, si vous achetez le tome, clairement, petit disclaimer, si vous achetez le tome, vérifiez ici que l'ex-libris y est toujours. S'il n'y est pas, prenez-en un autre. Clairement, parce que l'ex-libris est collé ici. Donc, il ne peut pas glisser par lui-même. Donc, s'il n'y est plus, c'est quelqu'un a volé. Donc, faites vraiment attention à Evangelion si vous l'achetez en parfaite édition. Faites attention que l'ex-libris est dedans, c'est très important, j'insiste dessus parce que ça fait chier clairement que c'est pas emballé et que les gens puissent se servir. J'aurais limite préféré, vous voyez, qu'en librairie ils enlèvent les ex-libris pour les distribuer à l'achat du tome, mais voilà, tant pis. Hein. Donc c'est fini pour les nouveautés du mois, on va donc passer aux achats tardifs, c'est parti. On commence avec la première série chez Soleil Manga, c'est The Casebook of Arn, tome 1 à 3. Achat tardif, oui et non, c'est de là oui, le 3 est sorti ce mois-ci. Mais je les mets ensemble, voilà, comme ça, je peux vous montrer la série dans son intégralité. C'est un coup de cœur inattendu. Je l'ai acheté parce que les couvertures étaient vraiment incroyables. J'aime beaucoup les couvertures. Et les dessins intérieurs également, et c'est un shoujo. Et je m'attendais pas à aimer à ce point, c'est vraiment très très bien. J'ai vraiment eu un coup de cœur alors que je m'attendais vraiment pas. Je vous conseille vraiment. Ça sent un peu à Twilight Bond à la Cocoon, mais vraiment un petit peu. C'est juste pour sur le principe, quoi. Vous verrez. Lisez, et c'est vraiment incroyable. Je vous conseille énormément. The Casebook of Arn. C'est tiré d'un jeu sur PC, si pas de bêtises, fait sur RPG Maker. J'ai jamais joué, donc je sais pas vous dire si c'est bien, mais en tout cas, le manga est très très bien. Et autre série H tardif. Alors, on m'a offert les deux premiers tomes. J'ai oublié de prendre un peu ça. Vous allez comprendre. Voilà. On m'a offert les deux premiers tomes. Donc, et j'ai acheté le reste de So I'm a Spider So What. Voilà, donc c'est 10 tomes. Pour l'instant, le 10e tome est sorti ce mois-ci. Donc, c'est pareil. C'est comme The Casebook of Arn. Et du coup, j'ai eu ce petit porte-clés quand j'ai acheté les tomes. Voilà, qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce porte-clés, il est trop mignon. Donc je les ai pas encore lus, ça par contre, du coup je peux pas vous donner mon avis dessus, mais j'ai vraiment hâte de les lire. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas j'aime beaucoup. Voilà, enfin j'ai beaucoup le concept, mais je les ai pas lus. Voilà. Le concept j'aime beaucoup. Et quand je les ai feuilletés, ça me paraît très très bien. Donc voilà, donc c'est les 10 tomes chez Pika. Et du coup bah, c'est fini pour les achats tardifs, on va passer aux occasions. C'est parti. Premier achat d'occasion, c'est Génocidal Organ. Voilà, donc c'est en 3 tomes.
Je l'ai pas encore lu, mais c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup depuis longtemps. Et j'ai enfin craqué. Enfin trouvé plutôt. Et ça a l'air très bien. Voilà, donc je ne les ai pas encore lus, je ne peux pas vous dire beaucoup dessus. Donc c'est chez Pika. Et j'ai vraiment hâte de les lire. Ensuite, alors là pareil, c'est, alors là c'est plus une curiosité qu'autre chose. C'est les 4 tomes de 10 chez Pika. Donc c'est un manga belge. Et en vrai, je l'ai feuilleté et les dessins, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas très manga, enfin si, je le suis de plus en plus en vrai, plus le temps avance, plus j'en achète. Mais vraiment, ça m'a attiré, on dirait une sorte de GTO, je sais pas trop, je verrai quand je les lirai, je les ai pas encore lus, je les ai achetés aujourd'hui. et vraiment, ça m'a intrigué, voilà, du coup je les ai achetés et on verra ce que ça donne, mais en tout cas, vraiment ça m'a intrigué. Et pour finir, chez Pika dans les occasions, les 8 tomes intégrales de Grand Blue Fantasy. J'ai tellement aimé l'univers et le manga que j'ai acheté Grand Blue Fantasy Versus sur PS4 en Ultimate Edition avec tout dedans. Vraiment, l'univers a beaucoup plu. C'est un peu dommage que le 8e et dernier tome finisse en fin très ouverte parce que j'aurais vraiment voulu en avoir plus de cet univers que j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, j'ai hâte d'avoir le l'action RPG qui sort à la fin de l'année normalement. Tout va bien, donc Grand Blue Fantasy Rolling, si tu vas de bêtises. Donc voilà, c'est toujours chez Pika et j'aime beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup aimé Grand Blue Fantasy. C'est un univers que j'ai vraiment beaucoup accroché. Ensuite, on passe chez Kurokawa. Alors là, c'est un peu de la triche parce qu'en gros, c'est pas que d'occasion. J'ai eu le 2 et le 4 d'occasion et j'ai acheté le 1 et 3 en neuf. Du coup, c'est occasion tardive. Voilà. Donc, c'est l'intégrale de Demon Thune. Thune, je sais pas comment vous dites. Demon Thune. Demon Thune, t'es lui là. Voilà. C'est l'auteur de Bloodlad que j'avais pas aimé. mais celui-là m'a beaucoup accroché, je sais pas, il y a un truc qui fait que j'étais attiré par celui-ci. C'est fini en 4 tomes, on verra ce que ça donne. Mais vraiment, j'ai vraiment été attiré par... je sais pas, on verra. J'ai voulu tester, on verra ce que ça donne. Mais vraiment, ça me paraît pas mal. Ça me paraît vraiment pas mal. Ensuite, on part chez Comic Coup avec l'intégrale de Devil Inside, donc en 3 tomes. À la base, je voulais les prendre à la sortie, mais je l'ai pas fait. Parce qu'en fait, mon planning était bien chargé, du coup, bah, je les ai oubliés après. Et j'ai trouvé les 3 d'occasion. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, ah, je les avais oubliés. Clairement, ma réaction, c'est, ah, j'avais oublié ça. Et du coup, bah, je les ai achetés. Pas encore lu, on verra ce que ça donne. Mais ça m'intriguait beaucoup. Voilà. Et les jaquettes, franchement, les jaquettes sont très belles. J'aime beaucoup les jaquettes. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup intrigué. À la sortie, j'ai failli les prendre. Et du coup, comme je dis, je les ai pas pris. Et bah, cette erreur est corrigée. Et pour finir dans les occasions, chez Soleil Manga, l'intégrale de Libraire jusqu'à l'os. Voilà, donc c'est en 4 tomes. À la base, je voulais peut-être voir l'animé, mais au final, je me suis dit, bah, le manga a l'air pas mal également. Et du coup, bah, finalement, j'ai pris le manga. Et ça a l'air vraiment bien. Bah, pareil, je ne les ai pas encore lus, donc je peux pas me donner. Je peux pas me prononcer dessus. Mais en vrai, ça a l'air vraiment bien. Voilà, ce sont seulement 4 tomes en plus. Et voilà, donc je me suis dit, je les ai trouvés à un prix très bas en plus. Pour, je crois qu'ils sont un peu durs à trouver, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr. Je crois que c'était 12 € pour les 4 serons. Pas grand chose en vrai. Du coup, j'étais très content de trouver un prix aussi bas. Et on verra ce que ça donne. Mais je suis très confiant parce que là, ça a l'air vraiment très très bien. Et du coup, c'est fini pour les achats du mois de mai. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous trouvez que le mois de mai était chargé et que vous n'êtes pas prêt pour le mois de juin, c'est 4 fois pire. Et en juillet, c'est 1000 fois pire. Du coup, n'hésitez pas du coup à liker, partager, commenter, à me donner vos avis sur y a des mangas que vous avez lus, s'il y a des mangas qui vous intéressent. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et TikTok. Je bégaye beaucoup, ça se voit que là, l'heure commence à tourner, il fait... Je suis très fatigué. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je poste tous les deux jours sur TikTok. Je poste quand j'ai envie. et du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des graous. Graous les gens. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.